Donc j'ai un double pédalier et double rétro comme dans une auto-école, tout simplement pour des aspects réglementaires qui font qu'on est obligé de garder un conducteur vigilant et capable de reprendre le contrôle à tout moment dans un prototype de véhicule autonome. Ouais. Donc là, j'ai la possibilité de freiner si jamais je mène sur le véhicule. Le véhicule est capable de se mettre en sécurité s'il détecte un problème. Donc par exemple, aller s'arrêter en sécurité sur une bande d'arrêt d'urgence, ce genre de choses. Un opérateur peut éventuellement prendre la main à distance. C'est le cas nous avec nos caméras de bord de route. On a un opérateur à distance qui contrôle ce qui se passe. Par contre, pas de prise en main des habitants